Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21h avec maman Marie, nous sommes dimanche 13 octobre 2024. Je ne fais pas de vidéo le week-end comme vous le savez, mais j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo qui va être très courte pour une raison. Alors, installez-vous bien. Rappelez-vous que nous sommes sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Prenez donc ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Je vais également vous inviter à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et actionner votre petite cloche de notification. Ce soir, mes belles âmes, sur 21 avec Marie, rappelez-vous que vous êtes sur une chaîne d'amour. Cette chaîne Marie Fatma est conçue pour vous, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Le Seigneur m'a dit de vous dire que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Donc à partir du moment où tu es dans la barque avec le Christ, tu n'as plus peur, tu ne crains rien. Et il me dit de vous dire ce soir, ayez foi en Dieu. Et il me dit de vous dire aussi ce soir encore, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient. Je vais vous lire ce que j'ai reçu comme message. Je les reprends. Ayez foi en Dieu, Marc 11, verset 22. Ensuite, j'ai eu que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Et pour terminer, j'ai bienheureux ceux qui. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 28. Nous avons également l'archange Michaël qui vous donne un message ici. Et ce message vous dit, le chemin est désormais sans embûche. Le chemin, ton chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et il vous demande d'avoir le courage. En tout cas, le courage ici, il était vraiment caché derrière l'archange Michaël. Donc, ce courage-là, c'est comme si on t'injectait le courage pour que tu arrives à réaliser ce pourquoi tu es là. Dans ce courage, je te dis, tu es capable. Alors, agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Et on parle ici de guérisseur de tous les temps. Donc, on a le Christ qui te tend les mains. Et nous avons également la victoire. La victoire est amenée également par la Vierge Marie. Tu as tes guides qui sont là, donc j'ai l'étoile, j'ai le divin, et on parle vraiment de stabilité dans ton cœur. Donc ce soir, ce 21h avec maman Marie, je vais parler d'un sujet. Et d'ailleurs, je pense que vous avez déjà vu le titre. C'est marrant parce que les gens, je vois des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux du président Sarkozy, qui parle de Jésus. Pourquoi vous êtes étonné? Pourquoi vous êtes étonné? C'était prévu. Oui, c'était prévu. Et que ça vous paraisse surprenant, il est élu. C'est un élu. Comme nous tous, nous sommes appelés. Chacun entend cet appel. Chacun va recevoir cet appel. Et si vous ne l'avez pas encore reçu, vous allez le recevoir et vous allez l'entendre. Maintenant, chacun d'entre nous est libre de répondre à l'appel ou pas. L'autre jour, j'ai fait une guidance où j'ai cherché la phrase de l'apôtre Luc qui disait « Demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira. » Et la troisième phrase, je ne la trouvais pas. Je ne la trouvais pas. Je l'ai cherché toute la guidance, je ne l'ai pas trouvée. Et le Seigneur, vous voyez, comme tout est concordant, le Seigneur, ce soir, quand je faisais ma prière, il m'a dit, mais ils n'ont plus à chercher parce qu'ils ont trouvé. Amen. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, vous avez trouvé. Vous n'avez plus à chercher. Et vous avez trouvé qui? Le Christ. Pourquoi je parle? J'ai mis ce titre, le président Sarkozy. Pourquoi je l'ai mis? Pas pour avoir de nombreuses vues comme certains l'ont fait, mais c'est pour vous rappeler tout simplement ici que cet appel, tout le monde le recevra.
Et non pas parce qu'il est un saint, mais justement parce qu'il est un pécheur, comme toi, comme moi. Et que le Seigneur est venu pour ceux qui sont fatigués, chargés, pour nous les pécheurs, pour nous donner du repos. Et certains qui sont encore à pointer du doigt les autres en disant, c'est vous le pécheur, ceux-là verront les brigands et les prostituées arriver au royaume des cieux. Pendant qu'ils sont là à perdre leur temps à pointer du doigt. Je vais parler d'un sujet ici que je n'ai jamais, dont je n'ai jamais parlé sur cette chaîne. J'ai eu une vision un jour du président Sarkozy en 2015 qui était poursuivi par des gens pour lui faire la peau. Je ne parle pas d'un rêve, je parle d'une vision. Une vision, c'est tu vois des choses de l'autre côté. Et celui qui est venu le secourir, c'était l'archange Michaël. Et comme par hasard, nous avons l'archange Michaël aujourd'hui qui parle de courage. Et il est venu avec sa troupe, avec son armée. Et là, je me suis dit, ce jour-là, parce que les visions, je les ai depuis que j'ai l'âge de 12 ans, je me suis dit, ce monsieur a des troupes aux fesses. Il va avoir des problèmes. J'ai dit, à l'instant, j'ai prié pour lui. J'ai dit, Seigneur, touche ton enfant. Seigneur, protège ton enfant. Mais j'avais la conviction qu'il était déjà protégé parce qu'il avait l'archange Michaël et son armée derrière lui. Le Seigneur va vous parler comme il a parlé au président Sarkozy. Il va vous parler comme il me parle à moi. Il va vous parler comme il parle à beaucoup d'autres gens qui ne parlent pas, qui ne disent pas que j'ai vu le Seigneur parce que peut-être qu'ils sont pudiques, peut-être qu'ils gardent ça pour eux. Et tant mieux si aujourd'hui le fait est qu'il parle de Jésus, le président Sarkozy, ça réveille certaines personnes. On ne peut que louer notre Papa Céleste, on ne peut que le glorifier encore plus et. Sachez que ceux qui ont le courage de parler du Seigneur, ils sont aussi des appelés. Et je vais vous parler d'autre chose, de quelque chose d'autre. Je m'appelle Marie Fatma et ce n'est pas un nom d'emprunt. Ça fait partie de mon nom. Je ne l'ai pas choisi ce nom. C'est mon nom de naissance. Et j'en ai d'autres, beaucoup d'autres prénoms et beaucoup d'autres noms. Mais ce n'est pas le sujet ce soir. Tout ce que je vais vous dire, c'est qu'on ne porte pas un nom au hasard. Marie et Fatma. Un jour, j'ai eu une vision. Le jour de la mort du président Kadhafi. Le Seigneur m'a montré comment il était descendu directement récupérer son âme. OK? Récupérer son âme. C'est-à-dire qu'à l'instant où le président Kadhafi est mort, son âme n'a pas erré sur cette terre. C'est ce qu'on appelle encore un martyr. Une âme qui a ascensionné directement. Dieu m'a dit, je suis descendu prendre mon fils directement. Il n'a même pas laissé que son âme erre un petit peu ou qu'on essaye de l'amener au purgatoire. Dieu est descendu le prendre. Et je le dis ici, sur cette vidéo de 21h avec Maman Marie. Parce que je partage ce que j'ai reçu. Vous êtes libre de me croire ou de ne pas me croire. Je suis une prophétesse. Je n'ai pas besoin de l'aval de quelqu'un. J'ai déjà reçu l'aval de celui qui est là-haut. D'accord? Donc, il est descendu récupérer l'âme du président Kadhafi. Et on sait tous, en tout cas pour ceux qui ne savent pas, que le président Sarkozy avait quelque chose avec le décès du président Kadhafi. Je ne suis ni juge, ni ci, ni ça, peu importe. Je suis une prophétesse. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le Seigneur nous donne à chacun d'entre nous, d'entre vous, une chance de se racheter. Nous sommes tous des pécheurs. Et sachez que les hommes politiques, les hommes qui sont à la tête des pays qui ont des responsabilités, parfois, ils vont être appelés à prendre des décisions, souvent à contre-cœur, souvent pas politiques, souvent, mais qui ne sont pas forcément alignés avec l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur nous donne toujours une chance de nous racheter. Quand j'ai eu cette vision du président Sarkozy qui était suivi, par des troupes, j'ai mis mes genoux au sol et j'ai prié pour lui en 2015. Donc je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée qu'il parle de Jésus. Parce que quand Jésus vient dans ta vie, il t'éclaire, il te choisit, il te guide. Et je peux vous dire que le président Sarkozy aujourd'hui, son âme est pure. Il a sauvé son âme, il a sauvé même ses enfants et les personnes qu'il a choisies autour de lui. Parce que quand tu es un élu, ceux qui te suivent sont sauvés.
Ma grand-mère avait la passion de chanter une chanson qui est décédée depuis 2012, Madame de Maternelle, qui était très pieuse et qui s'appelait Marie aussi. Elle disait, Kenayarme, lonayarme, Kenayarme, bourmeme, leligwesnae, Kenayarme, lonayarme, Kenayarme, bourmeme, leligwesna. Elle adorait chanter cette chanson. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire, elle parlait au Seigneur, que, amène mes gens, amène mon peuple, les gens qui sont derrière moi. Donc, elle parlait de sa famille, de ses amis qu'elle a choisis. Amène aussi mes amis, ma famille, mes gens, pour que nous soyons là-haut et qu'on s'aime tous ensemble. Parce que Dieu est amour. Alors, ce soir, ce 21 avec Marie, si cette vidéo est arrivée à toi, c'est que le Seigneur Jésus t'appelle et qu'il t'a choisi. Nous sommes tous appelés à être ses élus. Alors, pressons-nous de rentrer dans le rang. Rappelez-vous que la parole de Dieu nous dit, beaucoup seront appelés et peu seront choisis. Et on nous rappelle aussi que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc, soyons nombreux de plus en plus pour que le camp de l'ombre soit toujours démuni. Et de toutes les manières, si tu ne choisis pas le camp de Dieu, tu es perdant. Pourquoi? Parce que Dieu gagne toujours. Alors merci au président Sarkozy qui a fait cette vidéo, qui a duré quelques minutes, mais qui a un impact aujourd'hui. Et j'espère que les gens, par cette vidéo, vont être appelés, vont se convertir, vont se poser des questions qu'ils doivent se poser dans leur âme, dans leur cœur, dans leur fort intérieur. Et ne soyons pas à pointer du doigt les autres. Ne soyons pas à juger les autres. Vous savez, quand il a eu toute cette cavalerie de juges là, qui est arrivée bien après que j'ai eu mes visions, j'ai rigolé, je me suis dit, mon cher président, même les juges ont leur juge. Continue à avancer. Parce qu'il y a des gens qui priaient pour lui. Et j'en faisais partie. Et je ne le dis pas ici, parce que j'attire la sympathie de qui ou de quoi. Non, je n'ai pas besoin. Je suis une prophétesse et je passe des messages. Alors ce soir, ce 21 avec Marie, que quelqu'un sache ceci, qu'il est appelé par Jésus, puisqu'il a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors, ayez foi en Dieu. Marc 11, verset 22 nous le dit, ayez foi en Dieu. Et que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 6. Et pour terminer, le Seigneur te dit, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 28. Ce soir, ce 21 avec Maman Marie, nous avons Notre-Dame de la Résurrection. Quelqu'un en train de ressusciter ici ce soir. Amen. Une situation qui était morte en train de se relever, qui est en train de ressusciter, est en train de reprendre vie. Parce que quand le Seigneur Jésus vient dans ta vie, tu vis éternellement. Parce qu'il est la vie. Il est le chemin de la lumière, de la vie. Alors ce soir, suis 21 avec Marie. Reçois le Christ. Lumière dans ton cœur et aie foi en Dieu. Soyez dans la paix du Christ en ce dimanche 13 octobre 2023. 23? Non, 24. Peut-être qu'il y avait quelque chose aussi en 2023. Mais quoi qu'il soit passé en 2023, on te dit aujourd'hui que tu as la victoire dessus. Il n'y a pas de lapsus non révélateur sur les messages prophétiques. Prenez bien soin de vous. Que la source vous accompagne et que la paix du Christ soit avec vous. Je voulais vous lire aussi, sans oublier, l'ange de ce jour. Qu'est-ce qui nous dit l'ange de ce jour? Je vais vous lire rapidement. L'ange du 13 octobre 2024. Il y a quelque chose avec 2023, je vous assure. Hein, il y a quelque chose avec 2023. Allez revoir peut-être en arrière. C'est l'ange Memamia. Beauté et séduction intellectuelle. Beauté et séduction intellectuelle. Pouvoir de convaincre. Innover, créer, inventer, trouver,
disposer de moyens économiques pour se faire. Ce soir, sur 21h avec maman Marie, je suis par moments inquiet, fatigué. Et toi, ange, tu es rempli de force. Parle de courage, de force par rapport à une situation où le Seigneur va venir te redonner vraiment l'énergie dont tu as besoin pour avancer sur ton chemin. Viens donc revivifier. Viens donc revivifier. Donc, on parle de l'ange ici qui est à côté de toi. Viens donc revivifier mes énergies physiques, sentimentales et mentales pour mener à bien mes souhaits. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous dire, mes belles âmes, que l'énergie actuelle est dans le doute, est dans la fatigue, est dans la tentation. Actuellement, en plus, on arrive bientôt vers les énergies d'Halloween, Toussaint et tout ça. Donc, vraiment, le voile commence à se rapetisser et c'est souvent une période où les énergies ne sont pas très bonnes. Surtout pour nous qui travaillons dans le spirituel, on les ressent tellement. Donc, armez-vous de force, armez-vous de prière, armez-vous vraiment de votre foi parce que sachez qu'à chaque fois que vous invoquez le Christ lumière, il est avec vous, il est dans votre cœur. Une fois, j'ai eu une vision du Seigneur parce que je pleurais d'une situation et il m'a apparu, il m'a dit, c'est comme ça que mon cœur pleure quand je vous appelle et que vous ne m'écoutez pas et que vous ne venez pas vers moi. Alors arrêtons de faire pleurer le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Disons-le oui ce soir. J'invite quelqu'un ici. Je parle pour quelqu'un ce soir. J'invite quelqu'un ici, j'invite quelqu'un ici à rentrer dans une église qui est basée sur la Bible, qui est basée sur le christianisme, qui est basée sur la foi, qu'il aille allumer un siège et qu'il dise au Seigneur Jésus-Christ, qu'il s'imagine que le Christ est en train de toucher son cœur. Seigneur Jésus, me voici. Si tu le dis de manière mécanique, ça ne marchera pas. Si tu le dis par devoir, ça ne marchera pas. Si tu le dis parce que, voilà, tu es juste dans le désespoir total et flou, ça ne marchera pas. Mais dis-le avec la foi, puisque tu es dit, ayez foi en Dieu, dans Marc 11, 22. Imagine que le Christ est en train de toucher ton cœur et que tu es en train de recevoir cette grâce ce soir, sur 21h avec Marie. Et tu verras que les choses pour lesquelles tu pensais ne plus être possibles vont apparaître dans ta vie comme des miracles. Parce que Dieu est merveilleux, il est miséricordieux, il est miracle, il est amour. Et notre divine maman nous dit encore ce soir, sur 21 avec Marie, de suivre son fils. C'est le mois du rosaire, alors faites votre rosaire. Restez, si vous avez besoin d'être en retrait dans votre chambre, si vous n'avez pas besoin de parler de votre foi, faites-le. Mais le Seigneur, lui, vous entend. Il n'a pas besoin que vous alliez le chanter sur les toits. Il y a des hommes politiques, des grands hommes de ce monde qui priait le Christ, qui marchait avec le crucifix dans la poche. Et c'est après leur mort qu'on l'a su. Donc n'ayez pas honte de votre Dieu. Vous avez le droit d'être discret. Et d'ailleurs, la foi, ça se vit dans le cœur. Alors ce soir, ouvrez votre cœur et recevez le Christ lumière, afin que votre vie soit parfaite. Parce qu'en Jésus, nous devenons des hommes, des âmes, des esprits parfaits, puisqu'il est parfait. Ce soir, sur 21 avec Marie. Merci pour votre présence. Likez, partagez cette vidéo à un bon nombre de personnes afin que les cœurs soient transformés et que Jésus vienne guérir vos mortifications ici et maintenant par Jésus, notre Sauveur. Amen.